Sous Bopal, ancien député Serge Jean-Louis, président cartel magistrat Mopod présenté pour commune Delma, réagit sous contestation plusieurs candidats pour président d'Haïti. Même comité pilotage Mopod l'a dit, y a pas aucun problème à contestation yo depuis y a fait sous base principe. Pi loin, candidat magistrat a déclaré à TNKEPA publié liste définitive globale candidat agréé yo qui doit gagner la dans le poste président, sénateur, député. Ancien député Serge Jean-Louis. Dernière instance des décisions, c'est le conseil électoral. Comprenez? Nous-mêmes, nous partisans de démarche qui existe à sous-bas personnel. Par exemple, si on a des camarades, ils parlent là. Si ils ont des bases, ils ont contesté, légal, nous avons un cabinet avocat à le défendre. Si la décision se dit contre nous, nous avons fait recours. Si nous venons au recours, nous venons. Eh bien, on y a. Nous regardons si c'est une démarche personnelle. Si c'est une injustice à faire. Si c'est une injustice à faire, nous connaissons Jean-Camarade de ce palais, nous avons fait une mobilisation. Si c'est une injustice, je prends un cas par exemple. Si moi-même, je gère l'argent de l'État, mon candidat pour magistrat d'Elma, je dis avoir reçu des chats si on a été comptable des dédiés. C'est Jean-Louis Barré. Depuis qu'on conteste, je ne peux pas même défendre, je ne peux pas le défendre. Exactement, arrivé si vous mettez deux, par exemple, en tant que candidat qui n'a pas de charge, et qui n'a pas de charge, et puis vous avez mis éloge mille fois, par exemple, qui candidat qui n'a pas de charge, qui n'a pas de gain, comment vous comprenez ça? Delma, nous avons dit son justice, si vous faites. Si vous faites, son mesure politique liée. Si son problème politique, n'a pas résolu politiquement. Qui j'en voulais résoudre politiquement? Mobilisation. Il y a un monsieur qui dit la pacifique. Comme à l'ordinaire. Mobilisation pacifique. Et puis, nous invitons le peuple là. Donc, mobilisation d'Elma. Est-ce que ça veut dire que vous conseillez tout candidat qui sentit que vous faites l'injustice pour que vous fassiez un coup à la. C'est évident. Ça veut dire la justice qui lui-même, une femme aux yeux bandés, qui par contre, monde, pas de maman. Et c'est la mobilisation. Okay. Parce que ces décisions sont des décisions politiques liées. Il y a un agent pour compter Karel. Il faut montrer la capacité de mobilisation pour mettre les gens dans la rue pour permettre. Mobilisation pacifique, comme on a habitué à faire. Là, il y a des autres, nest faire des autres comme si tirer les armes à gauche. Non, pas quoi, non, pas ça, nous même. Par rapport à la publication de la liste, le Mopod attend sa mobilisation pour les 5 candidats. Par rapport nous connaissons une liste définitive qui sortit pour les législatives. Donc, recours, dernier recours, c'est la mobilisation. Mais à quand Naptan. Comment ça attend là Naptan qui ça Naptan, CEPA, sortit la liste définitive globale. Attends, je dis la liste définitive globale. Président, sénateur, député, comment il sera pourquoi les ça. Candidat Pétionville là, ils sont tous à clair. Il est partisan. Fait mobilisation Pétionville. Attendez. Candidat marchand des soins stratégiques, c'est le cœur de la Tibonie. Route qui passe dans la première section Villa, il dit d'où ça. On va faire mobilisation s'il bloque. Bloquer combien de battements dans le nord? Ouais, les 12 ans. Cafou, mais on va faire mobilisation. On y a un apton. Liste définitive. Parce que nous croyons. Nous croyons dans ça. Ça, on se dit là, on remplit toutes conditions. Et on met caché derrière là. Et on précise, si c'est fait à Gétoua, il est révoqué. Anthony Chérubin, pas victime de ça. C'est fait à Gétoua pour devoir. Anthony Chérubin, fait en dedans. Processus ça. Ce n'est pas eux-mêmes pour payer, ce n'est pas mon pote qui pour payer. Et je pense que mon pote n'est pas le seul dans cette situation. Il y a plusieurs partis politiques, notamment, qui sont dans cette situation. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien.